tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle séance qui aujourd'hui va être un petit peu ciblée comme ces derniers jours. Mais on va quand même travailler l'ensemble du corps mais avec une zone un petit peu plus particulière au niveau de l'intérieur de la cuisse. Donc sur le pied, gratte les cuisses. Donc on va enchaîner quelques mouvements qu'on répétera trois fois. D'accord? Vous pouvez prendre des haltères ou pas pendant la séance. Il n'y a pas d'indication, contre-indication, vous choisissez. Vous pouvez par exemple faire cette première séance sans haltère, puis la refaire avec haltère. Sauf au niveau des abdominaux, je dirais, il y a quelques petits mouvements au niveau des abdominaux où là, franchement, ne prenez pas d'haltère. On terminera par un bloc bras. Donc, principalement sur l'arrière, les épaules et la pendouillette, le triceps. Voilà. Sinon, voilà, c'est le menu du jour. On y va? Motivé. Donc, moi, je suis nu-pied. Il n'y a pas d'impact. Donc, voilà, on peut se mettre nu-pied. C'est très sympa au niveau de la proprioception. Ça travaille un peu différemment. Et je trouve que c'est assez, c'est relativement important parce qu'on est trop souvent en basket. Qui est très bien mais qui peut avoir certains inconvénients. Donc de temps en temps c'est aussi très sympa et très important aussi de travailler nu-pied. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc préparez vos tapis, vos haltères et puis une bonne dose de motivation sans vous oublier votre bouteille d'eau. D'accord? Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va pour l'échauffement. Donc, spécial, principalement, hein, vous allez voir que grosse partie, on va dire que les deux tiers vont être ciblés sur les jambes. Donc, bien évidemment, on travaille les cuisses, on travaille les fessiers, mais principalement aujourd'hui, l'intérieur. Donc, on y va, on se grandit, vous allez marcher. Alors, dynamique, hein, on n'y va pas. Je vous vois maintenant, hein, les bras comme ça. Non. On y va, dynamique. J'inspire, hop, et je monte le genou et j'alterne. Mouvement avec les bras, souffle, souffle. N'oubliez pas qu'il y a le dernier bloc qui va être ciblé sur les épaules. Donc on y va tout le temps avec un mouvement des bras, souffle. Et tu alternes, très très bien. Un petit peu plus doucement, tu vas dessiner un cercle. Donc bien évidemment, tes abdominaux sont déjà engagés. Bien évidemment. Allez, encore. Très bien. Le dernier. Et la même chose, mais dans l'autre sens. Allez. Essaye de stabiliser ton bassin pour bien ramener la jambe. C'est-à-dire, tu n'amènes pas le buste vers l'arrière. Là, ce n'est pas du tout un mouvement de la hanche. OK. Allez, dernier, droite et gauche. Et souffle. Tu marches. Très bien, en même temps que tu vas marcher, tu vas monter les bras et tu vas ouvrir. Et là, tu amènes sur le côté et tu altères. Les épaules sont dirigées vers le bas, tu souffles. Allez, on vient déverrouiller la colonne vertébrale. Là, tu viens bloquer avec le fessier, tu contractes, souffle. La même chose ici, tu viens... Et le bras légèrement au-dessus de la tête. Toujours en maintenant les épaules vers le bas. Souffle. Allez. Une dernière fois. Allez, droite et gauche. Souffle et très bien. Ici, tu inspires et tu souffles. Inspire. Souffle en haut. Bien les fessiers, ouvre les genoux vers l'extérieur, encore une fois, et souffle, très bien, tu bloques, et tu vas dessiner des cercles. Serre tes fessiers pour ne pas onduler avec le dos, souffle bien. Et dans l'autre sens. Très bien. Le dernier, les bras devant.
Allez, tu ouvres et dos rond, tu refermes. Inspire et souffle. Dernier souffle, inspire et petit cercle de bras, toujours en maintenant les épaules vers le bas, 2 et 1 dans l'autre sens, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les bras chandeliers, allez, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, on y va pour les squats, on resserre un petit peu, c'est parti. Inspire et monte genoux. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Et marche. Très bien. Sur le côté, petit mouvement. Et souffle. Ne va pas trop bas, on est sur l'échauffement. Ramène. Inspire, pose dans le talon et souffle. Tirer hein, déjà au niveau des adducteurs. Dernier aller-retour. Souffle. Et marchez. Très très bien. Allez, sur ce, on va démarrer. Donc vous pouvez prendre des haltères. Je vais peut-être le faire avec vous. On va prendre des haltères, ce n'est pas prévu. Mais je vais en prendre qu'une. D'accord? Prenez vos haltères. On y va. Sur le premier mouvement, ça va être un squat. Mais tu vas venir ouvrir en diagonale et refermer, ouvrir en diagonale, d'accord? Donc pareil, fais très attention au placement des genoux, très important. On y va, c'est parti. Allez, au centre, les épaules. Et là, tu viens ouvrir et souffle. De l'autre. Encore. Donc tu vois, il y a toujours un pied qui reste en place et c'est l'autre qui vient s'ouvrir en diagonale. Donc là, forcément, les genoux sont sollicités. Encore. Et souffle, relâche. Détends-toi un petit peu. On va le refaire deux fois. Donc sur les petits temps de pause, n'hésite pas à t'hydrater. Petite gorgée, on y va. Épaules vers l'arrière, largeur bassin. Tu descends, allez, tu ouvres. Donc là, je te demande vraiment d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Allez. Deviens droit. Donc c'est squat sumo, on est d'accord? Donc on est sur les trois fessiers. Le dernier. Et soufflez, relâchez. Marchez, vous récupérez. Encore une fois. En position. Les abdos bien serrés. Allez, squat et le sumo. N'oubliez pas, accentuez l'écartement des genoux. Pour travailler l'intérieur. Faut vraiment écarter un petit peu plus les genoux. Toujours. Allez, le dernier. Très bien. À présent, on va passer sur la latérale. Tu vas prendre l'halter dans la main gauche et tu vas ouvrir la jambe droite. Ok? Allez, c'est parti. Et tu souffles, tu ramènes. Tu pousses toujours les fesses vers l'arrière. 2. Allez. 3. Alors tu peux mettre le bras sur le côté si tu souhaites. Deux fois.
Récupère, récupère le souffle. Souffle bien. Allez. Donc tu le fais avec ou sans haltère. Et surtout, tu me bascules bien les fesses vers l'arrière. Et tu sautes, tu pousses dans ton talon pour te redresser. Allez. Et relâche. Une dernière fois. Bien un engagement sur l'intérieur des cuisses. Je pense que demain les petites courbatures ça va être sympa. C'est parti à nouveau. Allez, surtout ça vient des abdominaux. Et relâche. La même chose de l'autre côté. Trois répétitions. Surtout attention au dos. On y va. En position. Allez, c'est parti. Ne va pas trop vite sur les premiers mouvements. Allez, pousse bien vers l'arrière. Pousse dans ton talon. Souffle, relâche. Très bien. Encore deux fois. Ne négligez pas le temps de pause, d'accord? Le temps de récupération. Ça évite de fatiguer et d'abîmer le muscle. Allez. Descendez bien les fesses, surtout vers l'arrière, surtout pas hein, vers l'avant et vous avez le talon qui décolle, ça c'est inefficace. Relâchez. Une dernière fois et ensuite on va passer au sol. Est-ce que ça va? Oui? Allez, en position, on serre bien, allez, tu ouvres, et souffle. Essaye de bien tendre ta jambe droite. Alors j'essaye, hein. Bien souvent les adducteurs sont trop contractés, trop rétrécis, ça fait très mal, ça tire. Allez, encore. Ça y est, on s'est réchauffé. Allez. Posez un genou, posez l'haltère. Posez l'haltère. Mettez-vous en appui sur l'avant-bras gauche. Et là, vous allez poser la jambe droite au sol. Et là, tu viens toucher. Jambe tendue, touche. Donc là, pareil, on est sur l'intérieur de la cuisse. Souffle. Ça va, celui-là, il est sympa, il n'est pas méchant. Surtout que là, on n'a pas de lest aux chevilles, donc ça va, c'est sympa. Petit pulse. 1, 2, 3, 4. Allez, vraiment, vous avez l'ouverture, voyez, du pied. Voilà, vers l'extérieur. Relâche. On inspire. Attention à l'épaule, t'es pas comme ça. Et tu reprends. Inspire et souffle. 2. 3, allez, 4, 5, encore, serre tes abdominaux. Ne pousse pas le ventre, hein, surtout. Hein. Ouais, je sais,
Il y a la brioche qui veut ressortir. Ouais, je sais, je sais. Allez, monte bien ta jambe encore. Monte là. À mi-hauteur, petit pulse. Allez, amène ton pied parallèle au sol. On ressent bien l'engagement. Ouais, ici. Encore. Grandis-toi et là, tu restes à mi-hauteur, tu amènes la jambe devant et tu fais un balayage, tu vois. Comme ça, on est vraiment sur les trois faisceaux. Allez, grandis-toi. Attention à ton épaule. Tu reviens au centre. Allez, tu montes et tu descends. Souffle. Encore. Tu changes de côté. En position. Allez, c'est parti. Souffle. Alors, peut-être que tu vas trouver ce côté-là plus simple. Peut-être. Ou pas. Allez. Serre bien, contracte tes abdominaux, souffle. Mi-hauteur, petit pulse. Allez, ressens bien l'engagement sur l'intérieur des cuisses. Tu inspires. Et là, tu vas reprendre le mouvement. Allez, souffle, monte bien la jambe. Deux. Alors, c'est pas le bras, hein. Tu pourrais le faire, voilà, la main derrière la tête. Souffle, ok? Sauf que c'est vrai que ça peut être plus sympa. Ça peut t'aider à amener la jambe un peu plus haut. Souffle. Mais surtout, c'est pas avec le bassin, tu vois? Tu stabilises. C'est uniquement l'intérieur de la cuisse. Au cas où tu as un doute sur la zone de travail. Allez, souffle. Ouvre bien le pied. Petit pulse. Allez. Encore. On est bien là comme ça, je trouve. Non? Ouais, facile. Hein. Tu peux faire la même chose à la plage. Ou dans ton jardin. Sur le balcon. Ou sans le balcon. Allez, c'est parti. Monte. Discrètement, tu sais. Hop, j'attrape quelque chose. Ouais, je sais. Allez, devant et derrière. Ressortez la poitrine, grandissez-vous encore. Ça va? Allez, tu reviens, tu montes et tu descends. Souffle. Relâche. Bien. On continue. Sauf que là, tu viens te mettre sur les genoux largeur bassin. Tu viens te placer sur les mains, les épaules vers l'arrière. Tu serres tes abdominaux, c'est-à-dire que tu plies légèrement les coudes. Et tu repousses le sol. Allez, tranquillement, tu viens monter la jambe droite. Tu la redescends. Tu montes sur le côté. Souffle. Descends. Derrière. Monte. Côté. Derrière. Allez, c'est parti. Surtout, tu ne crosses pas tes abdominaux. Tu contrôles le mouvement avec tes fessiers. Encore. Relâche. Petit coquillage. On reprend, même mouvement, même côté. Encore deux fois. Inspire, tu te remets en position. Épaules vers l'arrière, tu serres. Allez, tu montes. Et côté. Souffle. Donc stabilise bien ton bassin, garde-le bien face au sol. Et relâche. Encore une fois, même côté, même mouvement. Allez, allonge ta colonne vertébrale, ressens bien l'étirement au niveau du fessier, bas du dos, en position. Allez, inspire, serre le centre et souffle. Côté.
Maintiens bien les épaules vers l'arrière. Relâche. Même mouvement, mais avec la jambe gauche. En position. Écarte bien. Serre les abdominaux. Allez, c'est parti. Jambe gauche. Relâche. Surtout, n'hésite pas à bien relâcher tes poignets. Encore deux répétitions. Toujours jambe gauche. Même mouvement. Allez, en position. Épaule vers l'arrière, tu serres. Et c'est parti. Alors surtout, hein, serre bien, contracte bien tes abdominaux pour ne pas avoir le dos qui ondule. Déjà d'une, tu te fais mal au dos, d'accord? C'est inefficace, hein, tu te flingues les lombaires. Et de deux, tu n'es pas ciblé sur tes fessiers. Tu es tout perdant. Encore. Relâche. Encore une fois. Ensuite, on va revenir sur la jambe droite pour un nouveau mouvement. Ok? Oui, chef. Bien. En position, épaules vers l'arrière, serre bien tes abdominaux. Allez, c'est parti. Tes bassins, tu ressens bien quand même tes abdominaux qui sont très engagés. Et relâche. Prochain mouvement, on revient sur la jambe droite. Donc tu vas te mettre en appui sur l'avant-bras gauche, comme ceci, avant-bras parallèle à tes genoux. Tu vas tendre la jambe droite et tu vas l'amener sur le côté. Souffle. Et tu dessines un petit pont. Hop, côté. Petit pont légèrement croisé. Côté, petit pont. Allez, c'est parti. Relâche. Donc là, on est également sur les petits obliques, la petite taille. Ce qui n'est pas négligeable au passage, hein, quand même. À nouveau, on appuie sur l'avant-bras gauche, épaule vers l'arrière. Allez, à nouveau, même côté. Allez, fais un joli pont avec la jambe. Relâche. Une dernière fois avant de changer de côté. Inspire, reviens sur les appuis. Ramène bien la jambe droite sur le côté et là tu me fais des petits pulses. Monte et descend. Grandis-toi, serre tes abdominaux. Inspire et souffle, relâche. Change de jambe. En appui sur l'avant-bras droit cette fois-ci. Les genoux largeur, bassin, épaules vers l'arrière, serre tes abdominaux. Allez, jambe gauche. Tu amènes sur le côté et petit pont derrière.
Relâche. Alors, tu sentiras que ça travaille aussi l'autre fesse, celle qui vient de travailler. Bien sûr, tout travaille. Tu es statique d'un côté, mais en mouvement de l'autre. Donc, les muscles sont sollicités. Allez, c'est parti. J'espère que ça pique bien. Tu vas bloquer la jambe gauche sur les côtés pour les petits pulses. Allez, en position. Épaules vers l'arrière. Jambes côté, pieds parallèles. Tu montes et tu descends. Grandis-toi. Serre tes abdominaux. Et là, tu reprends le pont. Très bien. Allez, tu viens te placer dos au sol. Tu peux mettre les mains sous les fesses. Tu vas tendre les jambes vers le ciel. Donc fais attention à ne pas crisper les épaules. Mains sous les fesses, jambes tendues, pied flex. Et là, tu ouvres. Petit battement. 1, 2, croise, croise. 1, 2, croise, croise. Pointe, pointe, flex, flex, pointe, pointe. Flex, pousse bien avec tes talons et garde bien le bas du dos au sol. Donc tu as deux petits pulses, pieds flex, relâche. Surtout maintiens bien le bas du dos au sol, très important, d'accord? Tu ne cambres pas le dos. À nouveau en position, mains sous les fesses si ça fait mal au dos. Et là, tu me fais 4 pulses, pieds flex. 4, 3, 2, 1. Croise, croise, pulse. 3, 2, 1. Croise, croise. Allez. Encore. 4 pulses. Relâche. Pour le dernier, tu me feras 6 pulses, d'accord? Et ensuite, on passera au bloc avec les haltères pour les bras. En position, pied flex. C'est parti. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Croise, croise. 4, 3, 2, 1. Croise, croise. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Très bien, relâche. À présent, tu vas prendre les haltères. Tu restes dos au sol, les jambes pliées. Tu vas venir placer le bas du dos au sol, tendre les bras. Et là, tu vas juste amener les haltères au niveau des oreilles. Et tu tends les bras, souffle. Inspire, contrôle. Et souffle. Tu me gardes les coudes dirigés vers le plafond. D'accord? Et tu souffles. Et surtout, la largeur de tes épaules. C'est-à-dire que tu n'ouvres pas les coudes vers l'extérieur. Hop, tu resserres. Souffle. Et tu poses. Très bien. On va le refaire encore 2 fois. Les épaules bien à plat. Tu serres tes abdominaux. N'oublie pas ton périnée. Allez, bras tendus, paume de main l'une en face de l'autre. Largeur épaule. Inspire et souffle.
Et doucement, tu poses. Encore une fois. Donc tu as vu, hein, les abdominaux sont quand même sollicités. Pour le dernier, tu vas monter les jambes chaise. Tu gardes le bas du dos au sol. Allez, dernier mouvement avec les bras. Et souffle. Contrôle le mouvement. Ressens bien l'engagement sur l'arrière du bras. Et doucement. Pour la suite, tu peux garder les jambes chaises pour un engagement accentué au niveau des abdominaux. Sinon, les bras tendus, toujours paume de main l'une en face de l'autre, tu vas poser les coudes au sol en gardant le long du corps et tu en remontes. Inspire et souffle. Voilà, donc tu ne poses pas, hein, tu frôles vraiment. Les coudes viennent glisser le long de la taille, le long des côtes, hop, et tu retends. Et là, doucement, petite pause, avant de reprendre le même mouvement. Le mouvement des jambes n'est pas obligatoire, c'est une option, d'accord? Tu peux faire une fois sur deux, par exemple. À nouveau en position. Allez, c'est parti, inspire. Allez. Et relâche. Dernière répétition avant de changer de mouvement. On se mettra debout. Allez, chaise, inspire et souffle. Relâche. Très bien. Sur le côté, tu te mets debout. Tu gardes les haltères dans les mains. Tu peux le faire sans haltères si tu veux. Les pieds largeur bassin, le dos droit, tu pousses les fesses vers l'arrière. Et là, doucement, les coudes, les haltères vers toi et tu vas déplier. Allez, c'est parti. Souffle. Tu gardes toujours les coudes serrés le long du corps. D'accord? Ça bien tes abdominaux. Allez, redresse, relâche. Détends bien la nuque à nouveau. Donc les haltères, dos droit, les fesses vers l'arrière. Allez, les coudes en hauteur. Tu freines lorsque tu ramènes les haltères. Encore. On relâche. Encore une fois. Relâche bien tes épaules. Serre bien tes abdominaux. Hein. Aucune tension dans le dos. Allez, tu montes. Les fesses vers l'arrière. Et là, tu déplies. Toujours.
ramener les haltères devant. Tu déverrouilles les genoux, grandis-toi. Et là, on va monter un bras sur le côté et alterner avec l'autre. D'accord? Allez, inspire et souffle. Tu contrôles la descente et tu contrôles la montée. Donc, tu vois, les coudes sont légèrement pliés pour éviter les tensions au niveau des coudes, justement. Et là, tu te grandis, tu me pinces les omoplates vraiment vers le sol, d'accord? Et relâche. Très bien. Le prochain, on va faire les deux ensemble. Donc surtout, fais attention de ne pas onduler avec le buste. On va bien engager les abdominaux. On va monter les deux bras ensemble. Tu peux le faire sans les haltères, il n'y a aucun souci. Allez, inspire et souffle. Tiens bien les épaules vers le bas. Surtout, tu ne remontes pas les épaules aux oreilles. Encore. Très bien. À nouveau, un bras alterné. De la séance, grandissez-vous, bras droit en premier, c'est parti, inspire, souffle, donc là on est sur un bel engagement de la colonne vertébrale, le grand dorsal, trapèze, allez, contrôle le mouvement, encore. Relâche. Et pour le tout dernier, tu vas venir amener ici les haltères et tu vas donner une petite impulsion avec les jambes. D'accord? Tu freines la descente. Inspire, souffle, freine, souffle. Tes bras sont la largeur, tu vois? Des épaules. Tu dois quasiment toucher tes oreilles. Relâche. Allez filles, il reste un mouvement. Ramène bien, serre bien tes abdominaux, les coudes le long du corps. On y va, c'est parti. Allez, inspire et souffle. Et relâche. Allez, pose les haltères. Ouf. Ça va? Donc là, on était un petit peu plus sur l'avant parce que vous le savez, si on travaille l'arrière, il faut absolument travailler légèrement l'avant pour bien équilibrer et surtout pas former un déséquilibre sur l'ensemble du corps. Ça va? Allez. On va s'étirer tranquillement. Vous allez croiser la jambe.
Et vous allez amener le bras par-dessus la tête. Vous montez les côtes. Très bien. Inspirez. Vous gardez les jambes croisées et doucement, vous allez descendre le buste et le bras vers le sol. Et vous relâchez les deux bras vers le sol. La tête, le regard vient vers les cuisses. Et vous pliez le genou qui est devant. Donc là, ça vient tirer dans la fesse qui est derrière. Inspirez. Serrez vos abdominaux et déroulez. Grandissez-vous. Allez-y doucement, décroisez. Croisez de l'autre. Montez. Inclinez. Montez les côtes vers le ciel. Si ça vient tirer. J'inspire, je serre. Et là, en pliant le genou qui est devant, je viens descendre. Et je descends mon crâne, le sommet du crâne vers le sol. Inspirez et soufflez. Très bien, déroulez. Décroisez, prenez le temps. Là, vous allez plier. Donc, pointe de pied peut-être légèrement vers l'extérieur. Et vous allez maintenir. Le dos est droit. On sent l'étirement sur l'intérieur de la cuisse droite. Donc, si c'est moindre, hop, j'allonge un petit peu plus. Si j'ai mal au genou, j'ouvre la pointe de pied vers l'extérieur. Pas de petits à-coups. Posez main au centre. Tendez les deux jambes. Ramenez les pieds parallèles. Donc dans la même direction, devant. Et vous descendez la tête vers le sol. Inspirez, ça tire sur l'arrière. Redressez tranquillement. Pivotez peut-être l'autre pied. Rentrez le talon. Pliez le genou. Redressez-vous. Donc là, on est sur la jambe gauche. Grandissez, inspirez. Posez la main au centre. Allez, pointe de pied, même direction. Et à nouveau. Sauf que là, je vais poser les mains à l'intérieur des jambes, voire vers l'arrière. Et je vais ramener le buste, la tête, vers le mur qui est derrière moi. Relâchez. Très bien. Main au sol et là je viens ouvrir. J'inspire et je souffle, je pose, je change, j'ouvre le bras et pose. Une dernière fois. Souffle, le dernier de l'autre. Souffle, très bien. Rapproche les talons, ramène-les vers l'intérieur, plie les genoux et resserre tout doucement. Point de talon, les jambes sont pliées. Inspire, tu déroules. Redresse-toi, bras droit devant et tu viens mettre ta main au niveau de l'omoplate. Tu attrapes le coude et là, sans cambrer, hein, tu amènes le coude vers l'arrière. Tu as quasiment la main au niveau des omoplates, au centre. Redresse-toi. Contracte un petit peu tes fessiers pour ne pas onduler. Inspire et souffle, relâche. Même chose de l'autre. Inspire, allez, grandis-toi. Voilà, on vient soulager l'arrière du bras. Ça fait beaucoup de bien, j'espère. Inspire et souffle, relâche. Enroule les épaules. Le bras droit tendu, tu viens le coincer dans le coude gauche. Tu descends ton épaule et là, tu vas tirer. Donc, c'est avec le bras gauche, ici, qui vient tirer ton bras. D'accord? Tu sens que ça tire derrière. Sur toute la chaîne arrière ici, ça fait beaucoup de bien. Voilà, tranquillement, détends ton épaule ici. Parce que des fois, je vous vois comme ça. Ouais, j'adore mon épaule. Non, tu le descends. Hein. Voilà. Ben oui. Inspire et souffle, relâche. Même chose, hop, je le coince. Je descends bien mon épaule. Ça va? En tout cas, j'espère que la séance vous aura plu. Inspirez, soufflez, relâchez. Oh, allez, marchez, trottinez. Voilà, la séance est terminée. Bien ciblée. Donc, j'espère que vous aurez quelques petites courbatures qui vous auront fait rappeler que vous avez super bien bossé. Pas des courbatures de ouf, hein, sinon ça veut dire que vous aurez trop forcé. Et ça, c'est pas vraiment très, très positif. Petite courbature, légère, c'est... Ah oui, quand même, j'ai bien bossé. Voilà.
Donc surtout, n'hésitez pas à la refaire. Cette séance-là, vous pouvez la calquer une fois par semaine. Voilà, vous la refaites une fois par semaine avec une autre, par exemple comme celle avec la semaine dernière. Et vous me faites une séance tous les 2 jours, ce qui est très très bien pour avoir un super corps pour cet été que vous avez déjà parce que vous avez bossé toute l'année. Voilà, allez, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et puis rendez-vous la semaine prochaine. Salut! Portez-vous bien. Thank you.